vous allez bien? Je suis vraiment contente de filmer ma vidéo. Ça fait une éternité que j'ai pas filmé de vidéo. Puis là, j'avais pas le temps là, avec l'école, le travail. J'ai beaucoup de travaux, là, mais là, je suis en semaine de relâche. C'est sûr que je travaille quand même beaucoup, mais je vais essayer de filmer pas mal de vidéos en fait. Puis, c'est ça, là, je suis vraiment contente. Puis, je vais faire un vidéo d'achat. Dans le fond, plein d'achats rassemblés depuis peut-être 2 mois environ. Puis, c'est ça, j'ai du linge, du maquillage, des bijoux, puis des souliers. Fait que je vais commencer tout de suite par les bijoux et le maquillage, parce que c'est ça que j'ai un peu moins. Donc, pour le maquillage, j'ai juste 4 rouges à lèvres ici. Dans le fond, c'est la marque NYC, ok, New York Color. Bon. Ils ont sorti des nouvelles gammes, là. C'est les Expert Last. Ouais, c'est ça, rouge à lèvres. Là, j'en ai 4 ici, j'ai 4 couleurs. Dans le fond, ils viennent comme ça. Puis, ils sont 1,99$. Pour ça, j'en ai acheté 4, vraiment pas cher. Puis, je me suis dit, je vais les essayer. S'ils marchent bien, ils marchent bien. Puis, honnêtement, je suis vraiment étonnée. Là. Ils fonctionnent super bien. Ils sont vraiment crémeux, t'sais, ils sont pas secs. Là. Souvent, on a tendance à penser qu'ils vont être secs et ça va craquer nos lèvres, mais vraiment pas. Puis, c'est ça, la couleur est vraiment vibrante. Là. Puis, il t'offre quand même longtemps, là. Je vous dirais toute une soirée ça t'offre, peut-être qu'il faut que je réapplique une fois, mais genre c'est vraiment une longue durée, là, je pourrais dire moyenne durée, mettons. Fait que j'ai 4 couleurs, j'ai premièrement la couleur Forever Fuchsia, je l'ai pas encore ouvert, je l'ai pas encore utilisé, mais bon, je la trouvais belle. Ensuite j'ai la couleur Blue Rose, qui est comme un mauve bleu, là, bleuté, je vais vous faire un zoom de toute manière. Ensuite, j'ai la couleur Snow Cone, qui est un petit rose pâle neutre. Puis, j'ai la couleur Air Kiss, qui est un genre de framboise, là. Mais lui, il est vraiment dégueu, là. En fait, le seul inconvénient, c'est l'emballage qui est vraiment merdique, là. Le bouchon, il s'ouvre tellement facilement, là. Genre, je le mets dans ma sacoche, qu'il faut que j'arrête vraiment de dire genre, là, c'est mon défi aujourd'hui, de pas le dire là, parce que j'ai remarqué que dans mes vidéos je le dis tout le temps là, fait que j'essaie de pas le dire. Donc c'est ça, comme je disais, l'emballage est vraiment merdique parce que le bouchon il s'ouvre tout seul. Quand il est dans ma sacoche, l'autre fois ça a tout taché ma sacoche, je l'ai mis dans une petite poche, il s'est ouvert tout seul, puis là il est rendu toute dégueu, genre je l'ai mis 2 fois. Non, peut-être un peu plus que 2 fois là, mais je l'ai mis une couple de fois puis il est déjà rendu dégueu, fait que... Le seul inconvénient, c'est l'emballage vraiment, là, mais sinon, c'est des bons produits. Pour le prix, c'est vraiment pas cher. Ils ont quand même beaucoup de couleurs, là. Je les ai peut-être achetés, je les ai juste pris 4, mais ils ont, je pense, 10-12 couleurs, là, fait que ça vaut la peine. Ensuite, pour les bijoux, je me suis acheté une montre au bisou, une montre fleurie. Je voulais faire un changement parce que, tu sais, j'ai une montre argent, une montre or, une montre comme brune un peu. Là, je voulais faire un changement avec une montre argent, puis c'est des couleurs pastel pour le printemps, c'est vraiment beau, fait que je l'aime beaucoup, puis elle était à 50% de rabais, fait que elle m'a revenu à 15$ au bisou, c'est vraiment pas cher, puis c'était la dernière, puis ouais, c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, au Forever 21, je me suis acheté des bijoux, donc vraiment un bracelet comme ça ici, que je trouve super beau, là, grosse chaîne avec... du tissu fleuri à l'intérieur. Le seul problème, c'est qu'il est vraiment petit, vraiment grand. Faut comme que je l'attache, tu sais, il y a la chaîne ici, au complet. Il y a l'anneau là, il y a comme 2 anneaux de la chaîne, puis il faut que je l'attache dans le tissu, genre vraiment loin, puis il est comme encore un peu grand, mais je l'aimais trop, je voulais pas comme... Je voulais le porter, fait que je me suis dit, je vais pas tenter de quoi, là, puis ça paraît pas, fait que... Voilà, je l'aimerais beaucoup. Puis j'ai pris des boucles d'oreilles aussi, tu sais les boucles d'oreilles sont pas chères, sont 1,80$, mais ça dépend lesquelles. Mais les plus petites là, basic là, comme, sont 1,80$. Donc j'ai pris des cœurs comme ça, je suis vraiment beau. Donc des petits cœurs. J'ai pris aussi, là j'ai les en ce moment là, je vais vous faire un zoom là, mais c'est des fleurs noires là comme, ouais, que, comme ça. J'ai pris aussi des petites marguerites. En ce moment, je trippe sur les marguerites, là. Vous allez voir dans mon linge, là. J'ai pris pas mal de choses avec des marguerites, là, mais c'est tellement la mode pour cet été, là. Il y a ça partout dans les magasins. Je trippe vraiment. Donc, j'ai pris des petites boucles d'oreilles marguerites jaunes, vraiment cute. Puis les autres paires que j'ai pris, c'est des petits cœurs argent. Juste
bien normal. Parce que moi, les petites boucles d'oreilles comme ça, je porte juste des petites boucles d'oreilles. Je porte pas des pendentifs, mais des longues là, qui pendent. Mais le problème, c'est qu'on dirait que je perds tout le temps les boucles d'oreilles. Comme j'en achète plein. Puis là, il y a tout le temps une que je perds. Fait que là, je peux plus les porter. C'est vraiment fatigant. Fait que je me suis dit, je vais en acheter comme 4 paires. Je vais faire attention, je vais essayer de pas les perdre. Mais... Ensuite, je pense que je vais aller tout de suite avec les souliers. Je me suis acheté 3 paires de souliers. Une au Spring puis 2 au Palace Shoes. Quand j'étais allée au Spring, il y avait tellement des beaux souliers là. Ils ont commencé à sortir leurs souliers de comme printemps été là. Puis ceux que je me suis acheté, je me suis dit c'est passe-partout, c'est pratique, c'est pas cher, il était 35. Donc c'est des petits souliers comme ça en faux cuir avec des genres de petits trous là si on veut. Puis une semelle blanche. Puis tu sais, sont comme ils arrivent sur le dessus du pied ici là. Que, avec des petits bas courts là, que je me suis acheté aussi au Palace Shoes, je vais vous montrer après. Mais j'ai trouvé vraiment cute, puis ça va là avec tout, là, avec des shirts tie haute puis genre un t-shirt, là, ça va vraiment cute puis pratique. Fait que je les aime vraiment beaucoup. Ils avaient dans le blanc aussi, mais je me suis dit blanc, ça va tellement s'enlève vite. Là, fait que j'ai pris les noirs, puis il y en avait sinon en tissu, même modèle, mais avec du tissu bleu marin. Puis il y en avait un autre, il était blanc, il y avait des ananas dessus, il était vraiment hot, là, mais je me suis dit. C'est vraiment tough à matcher, il faut que tu sois habillé comme vraiment simple en haut puis tu mets tes souliers avec des ananas, mais j'ai trouvé tellement hot là, je vais peut-être les racheter là, mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment beau puis ils sont super confortables aussi. Et au pire les choses, j'étais avec mon amie Justine. Salut Justine! À chaque fois qu'on va là, on est comme tout le temps sûr qu'on trouve rien là. À chaque fois on y va puis il y a jamais rien, puis à chaque fois qu'on y va puis qu'on se dit qu'il y aura rien genre, mais finalement on a trouvé deux, ben moi j'ai trouvé deux paires de souliers. C'est que je m'avais acheté les mêmes l'année passée, ok? Mais ils ont fait un été puis ils étaient finis après, là, tu sais, ils étaient toutes sales. Puis, je les avais payés 30$, puis là, j'étais arrivée, puis ils étaient en solde à 11$, les mêmes, là. 11$, puis en plus, il y avait 30% sur le 11$, fait que ça me revenait à 7$, là. C'est vraiment pas cher, fait que j'ai pris deux couleurs, parce que je les aimais vraiment beaucoup l'été passé, je les ai portés tout le temps, là. Donc, je vais montrer ceux que j'avais, là. Sûrement que vous avez vu dans mes vidéos de outfit là. Ils sont comme ça ici, vraiment brillants. C'est des petites ballerines comme, mais plus solides que des ballerines là. C'est quand même rigide là. Puis, oh non, j'ai trouvé vraiment cute quand même. Le prix est dans le 29,99 habituellement. Que, ils sont comme ça. Puis j'ai pris cette couleur là. Je me suis dit à 7$ là, je vais en prendre deux là. J'ai pris des noires brillantes là, juste comme ça. Fait que non, je les aime vraiment beaucoup, ils sont super confortables, puis tu sais, vu qu'ils sont brillants, genre je trouve ça cute là, avec un outfit là, fait que voilà. Puis en même temps, je me suis acheté des petits bas, tu sais, des petits bas qu'on voit pas là, qui sont vraiment proches des orteils ici là, un noir puis un blanc, il était 2 pour 7, fait que ouais, ça va être pratique avec ça. Maintenant pour le linge, j'en ai quand même beaucoup, mais c'est accumulé depuis longtemps là, c'est juste que comme j'ai pas eu le temps de faire une vidéo pour vous le montrer là, mais probablement au Forever 21, je me suis acheté un haut de maillot, il était comme 12$, là, vraiment pas cher. Puis, oh là, il est mal mis. Il est comme ça ici, avec des marguerites, bien évidemment. Puis il y a comme un volant, là. Il y a le maillot en dessous, puis le volant par-dessus. Puis il s'attache, moi j'aime ça quand c'est un attache, là, tu sais, pour un... que tu fais un nœud, là, vraiment un attache, où ça tient mieux, là. Comme ça, mais la fin c'est qu'il n'y a pas de pad, mais je me suis dit vu qu'il y a ça par dessus, c'est pas si pire, mais sinon je vais faire une petite incision, tu sais, puis je vais mettre des anciens pads que j'avais dans un autre maillot là, tu sais, ça se file. Fait que ouais, c'était 12,80, mais j'ai pas acheté le bas parce que moi j'achète tout le temps mes bas au Walmart parce qu'il y a toutes les couleurs qui sont comme 5$, ils sont super confortables, je les achète tout le temps là parce que tu sais, dans les boutiques comme Bikini Village ou Victoria's Secret, les bas sont vraiment chers. Je me dis tant qu'à ça, je vais prendre un Walmart. Puis tu sais, ça s'use quand même vite un maillot là. Fait que tant qu'à payer 50$ mon bon maillot, tu sais, je vais le prendre au Walmart. Fait que ouais, je le trouve vraiment cute pour l'été, ça va être beau. Toujours au Forever 21, j'ai acheté, c'est pas la même fois là, j'ai acheté des shirts marguerite comme ça, avec des poches à l'arrière. Puis ils sont taille haute, là, comme. Ils m'arrivent là, là. Ils sont taille haute, puis ils sont vraiment confort, là. Je les aime vraiment beaucoup. Ils étaient 18,80, donc vraiment pas si cher. Puis ça va être beau avec mes petits brillants, là, que je pourrais mettre. Puis un petit crop top, là, ça serait cute. Fait que,
Voilà. Ensuite, au garage, je suis allée hier. Puis, je me suis acheté deux paires de jeans parce qu'ils ont vraiment beaucoup de jeans taille haute, là. Comme il y a les tailles hautes, les tailles rétro, que c'est un peu plus haut. Puis les rollers, là, ça, c'est un autre modèle qui a pas de poche en avant puis qui sont un petit peu plus hauts. Donc, la première paire que je me suis acheté, c'est eux que je porte en ce moment. Je vais essayer de vous les montrer, là. Mais ça, c'est taille rétro, là. Ils sont de même. Ils sont pâles. Je les aime vraiment beaucoup. Puis ils m'arrivent comme au nombril, là. Ça, c'est taille rétro, puis ils sont skinny, là, bien évidemment. Ouais. Je trouve ça vraiment beau, des jeans pâles hautes, là. Je trouve que ça fait vintage. Oh mon dieu, là, c'est jaune. Je trouve que ça fait vintage, puis c'est vraiment confort, là. Moi, je trouve ça trop confort, des tailles hautes, là, pour vrai, là. Fait que j'ai acheté eux, puis les autres, eux, ils étaient 40, si je me trompe pas. Ouais, ils étaient 40. Puis j'ai acheté... les tailles hautes, c'est ça. C'est un peu plus bas que eux que j'ai. Eux, ils étaient 50. Puis ils sont comme bleus, là. Ils ont des genres de petites lignes. Comme ça. Puis ils sont skinny, là. Comme ça. Puis, eux étaient 50, mais là, en ce moment, il y a une promo. Achète un, t'as le deuxième moitié prix. Fait que ça valait quand même la peine. Ensuite, j'ai oublié au Forever 21, là. Ça aussi, c'est en... Comme les trois affaires Marguerite, là, c'est en trois shots que j'ai acheté ça. Mais encore une chose Marguerite, là. Mais c'est un bodysuit, OK? Je sais pas si vous êtes familière avec ça. Mais c'est un one piece, là. Comme ça. Puis moi, je porte ça de même, là. Comme... Juste de même. Puis je me sors de même avec des talons dans les pieds. Non, là. Mais il est comme ça. Il y a des Marguerites. Puis... Le dos, il est plus ouvert un peu, fait qu'on voit un peu ton dos. Vraiment cute. Puis ça, je porte ça, tu sais, avec des shirts taille haute l'été, ça va être vraiment beau. Puis ce qui est le fun, c'est que ça fait vraiment... Ça fait pas de plis, là, tu sais, quand t'as des trucs taille haute que tu rentres ton chandail dedans. Tu sais, ça fait tout le temps des plis, là, c'est jamais droit-droit. Mais ça, c'est vraiment droit, là. Fait que ça fait aucun pli, c'est full beau. Moi, je trouve que c'est vraiment beau. Je trouve qu'avec des trucs taille haute, ça a l'avantage vraiment la silhouette, là. Fait que, il était juste 10$, là, vraiment pas cher, ou il y en a plein en plus au Forever, là, pis sont 10, 12. Et les quatre derniers morceaux, c'est au dynamite, évidemment. Il y en a deux, ça fait quand même un bout, là, mais j'ai juste oublié de vous les montrer, mais ils ont encore, ils sont rendus en solde, fait que si vous les voulez, allez voir. J'ai pris un chandail de laine comme ça ici. Il est crop top, il est en laine, gris, puis c'est mettons, avec mes jeans style, ça va être beau, là. Comme si je mets des jeans normales, il est pas si cropped, là. Si j'ai des jeans normales, on voit peut-être ça de mon ventre, à peu près. Oh, pas gros. Avec des tie-outs comme j'ai en ce moment, là, je suis sûre qu'on verrait même pas mon ventre. Que, voilà. Puis ça, il est rendu en solde à 15, je pense. Ensuite, un autre crop top ligné, comme ça. Juste en petit coton. Puis lui aussi, est en solde, il est à 15. Que lui aussi, j'allais avec des shirts taille, tu sais, l'été c'est léger, là, même si c'est manche longue. Puis avec la jupe que je vais vous montrer aussi, je l'ai déjà portée, puis c'était super beau. Ok, voilà. Ensuite, l'autre chose, c'est une tunique vraiment belle, là. Moi, je capote, là. Je l'aime trop. Elle est bleue comme ça. Puis, c'est dur à montrer, là, mais c'est une tunique. Puis, il y a un petit cordon à la taille, fait que tu serres ça ici. Puis elle manche longue, mais si t'as repli ici, elle fait manche trois quarts. Puis il y a des boutons ici, puis des fausses poches. Ah non, des vraies poches. Fait que, elle est comme ça. Puis elle m'arrive peut-être mi-cuisse, mettons. Un peu plus bas, là, tu sais. Elle fait super bien, là, avec mes talons, des talons hauts noirs que j'avais mis une photo sur Instagram, là. C'est écœurant pour vrai, là. Je l'aime tellement pour l'été, ça va être vraiment beau. Parce que là, en ce moment, tu sais, je l'ai porté avec des collants. Semi-transparent, là. Mais l'été, pas de collants, là, ça va être vraiment beau. Puis c'est vraiment léger. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Celle-là est 44, si je me trompe pas. Et le dernier morceau, c'est une jupe. Comme ça ici. Une jupe circulaire, là. Puis il y a comme des petits motifs, là. Je sais pas si on peut voir. Il y a comme des petites lignes, là, une petite texture. Puis, elle est vraiment fluide. Puis,
Avec le chandail ligné, là, c'est vraiment beau. C'est ça que j'ai porté l'autre fois, là, puis c'était vraiment beau. Puis il est taille haute aussi. Puis il l'a dans le rouge, vraiment rouge vif, là. Mais moi, vu que je n'avais pas des mêmes noirs, je me suis dit, je vais prendre noir parce que ça fait avec tout. Donc voilà, les filles, c'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. C'était quand même un long vidéo, là. Je sais pas trop combien de temps ça dure, mais je sais que ça dure pas trop longtemps. Je vais couper un peu au montage, là, mais. Voilà, c'était tout pour mes achats, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis sinon, ben, on se revoit, j'espère, bientôt dans une prochaine vidéo. Bye les filles!